Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode d'Aino. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre super plateau avec trois nouveaux candidats, enfin deux nouveaux candidats et notre champion Lulu02Gamer. Bonjour à tous, je vais tous les exploser. On accueille aussi donc en jaune aujourd'hui Monsieur GIGN. Oui, j'espère prendre ma revanche. Et la culture générale chez moi, c'est. Voilà quoi, c'est mon point fort. D'accord. Et on accueille aussi en vert Lulu Dream. Bonsoir. Voilà. Ils vont tous jouer pour essayer de battre Lulu qui a dans ses stocks, je crois, 45 000 euros. Ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Je me suis pas renseigné avant. Mais je crois que c'est 45 000 euros. C'est toujours, je vais tirer pour qui ? Bah voilà, bleu. Donc c'est Lulu qui va commencer à appuyer sur les boutons. Pour cette première question. Alors, patiente bien avant d'appuyer sur le deuxième, hein, quand tu appuies sur le premier, pour qu'on prenne un peu de temps. Ok. Alors, gauche ou droite ? Là, d'abord, là. D'abord, celui. Je sais pas. Oui, c'est d'abord droite et puis après gauche. Oui, c'est pas logique, mais. Ok. Logique, ouais. Allez. Alors, on commence par du pipipipipipipoule. Et en x1, parce que. Voilà. Alors. Oui, pipoule. Et le deuxième bouton, j'attends que ça disparaisse. Non, c'est bon. Le. D'accord, fallait pas appuyer sur le deuxième. Okay. Encore moi, alors, oui, donc c'est toi. Lulu, tu vas pouvoir prendre ton tapis à côté. D'ailleurs, tout le monde peut prendre son tapis. Hein, parce qu'il n'y a plus de tête, hein, on est pauvre. Voilà. C'est pauvre. Donc Lulu, je vais pouvoir te laisser avancer sur une des trois cases du damier. Et je vais te dire, quelle star ? Et puis Paul, quelle star ? Bon. C'est tout, c'est juste ça le truc ? Oui. Ah, c'est vrai que j'avais oublié ça. Et je fais quoi avec mon tapis ? Et ça sera pour les paris de tout à l'heure. En fait, c'est plus des têtes, c'est des tapis. Voilà. Donc, Lulu Dream et Monsieur Gigène pour pouvoir courir vers votre case. Attendez. Vous allez vous mettre à chaque fois, bon, les deux sur un bloc rouge. Voilà, comme ça. Voilà. Et quand je vous dirai, vous pouvez y aller. Donc là, vous pouvez y aller. Voilà, vous pourriez y aller. Et tu viens, t'as pas posé ton tapis. Non, mais c'est pas la question, t'as posé son tapis là. Ah, faut pas poser de tête. Non, mais comme vous êtes arrivés en même temps, je vais demander à Lulu de choisir qui c'est qui va dans la case 3. GIGN. Voilà. Ah. Merci. Bon, merci, heureusement. Non, tu vas dans la case 3. Non, non, la case 3, celle-là. Ah non. Mais non. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire vos paris. Si vous pensez que la personne va bien répondre, vous mettez un tapis de son côté. Et mais non, tu peux pas mettre, c'est qu'un tapis par personne. GIGN, c'est de l'autre côté. Donc qu'est-ce que tu penses ? Tu penses que tu peux pas parier sur toi-même. Voilà. Donc tu penses gentil. Que Lulu Dream va répondre bon à la question, que Lulu Dream pense que Lulu02Gamer va répondre faux et c'est galère. Et Lulu pense que Monsieur GIGN va paraît bien répondre. On y va pour cette première question. Donc Monsieur GIGN, quelle star s'est fait connaître par son incroyable famille. Oh la vache. Mais j'ai combien de temps ? Rapidement. Le Brad Pitt. Brad Pitt. Lulu, quelle star s'est fait connaître par son incroyable famille, s'est mariée à Kanye West ? Ah non ! Ah ! Je l'ai, je dis le nom de la personne ? Oui. Ah mais c'est facile. Mais oui. Très bien, je prends la réponse. Même moi, je le savais. Lulu Dream, quelle star Quelle star s'est fait connaître par son incroyable famille, s'est mariée à Kanye West et a des grosses fesses. Lulu Dream. Oui, oui, oui. Donc tu réponds oh. Bah, Kim. Kim Kardashian. Bon, bah, on va vérifier ça tout pareil. De suite. C'est évidemment. Je vois pas. Bonne réponse. Alors, je vois pas qui aurait des grosses fesses, quoi. Voilà. Alors, du coup, pour les paris, Lulu, c'est bon. Par contre, GIGN, c'est bon aussi. Donc, Lulu, GIGN, par contre, c'est faux. Lulu Dream. Voilà. Lulu Dream perd son point que GIGN reprend. Hein. Voilà. Vous pouvez récupérer vos tapis et revenir à votre base. Ouais, tu gâtes aucune carte d'achat, je suis mort de rire quand même. Alors, c'est à Lulu Dream maintenant d'aller appuyer sur les deux boutons. Ah, j'appuie d'abord sur alors, celui-là. Alors, tu appuies d'abord sur celui-là, on nous laisse le temps de découvrir. Ah, c'est Héritage. Dis donc. Héritage qui nous avait bien fait suer la dernière fois.
Et Oh non mais... c'est Lulu qui commence encore. Ah bah j'ai parlé encore. Allez! Alors On va Lulu, jouer quel jeu? quel personnage historique? Ah! Soyons prudents tout de même. Très bien. Attention, mettez-vous sur les blocs. Et allez-y! J'ai dit quand on peut pas rien. Ah. Non, mais je suis allé en premier. Alors, on va échanger Bah cette allez, fois-ci j'y Lulu Dream, tu peux, voilà, comme ça. Allez, vais. allez-y, On peut pas faites-vous rien? pari. Bah, Lulu Dream, désolé, mais bon, je ne crois pas trop en la victoire. On gagne du premier coup. Surtout sur l'héritage. Ok. Ah, Lulu Dream pense que Moi, Lulu 02 Gamer va gagner. C'est bien tenté. ah! Ok. Je peux parler mon pari? Lulu Dream, on y va. Lulu Dream. Ah, tu veux Super changer ton mature. pari? Ben, je pense. Bon, vas-y, tu peux encore, je vais pas Que. commencer la question donc. Ah ouais. Je vais dire que Jason va gagner parce que vu que je veux trouver la bonne réponse, il est pas con, il répète la bonne question en général. Ok, Lulu Par contre, Dream. moi. Quel personnage historique était un avocat fréquentant les clubs politiques? Oh putain, j'ai bien fait de pas choisir le 3. Vous en avez aucune idée. Alors, faut que tu me dises un personnage historique, n'importe. Un personnage historique. Ouais, Jules César, même s'il n'est pas historique. C'est sûr qu'il allait dans les clubs politiques, évidemment, Jules César, c'est très connu. Lulu 02 Gamer, je vais t'appeler Lucien, ce sera plus simple. Quel personnage Oui, historique Lucien. était un avocat fréquentant les clubs politiques et organise la défense de la France envahie? Oh la Ah, j'ai vache! oublié. Alors. Pendant la Révolution française. Ah bah oui, parce que. J'ai oublié. Défense de la. Attends, défense de la France. Envahie. Durant la Révolution française. On n'a pas été envahi pendant la Révolution française. Avec qui a fréquenté le machin là, c'est ça? Rien Les du clubs tout. politiques. Bon, allez. Comment il s'appelait lui là? Bon, allez. Non, il était pas né. Bah, Louis. Non, Dis-moi juste Napoléon, le allez. nom. Napoléon Bonaparte. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Enfin, monsieur GIGN, quel personnage historique était un avocat fréquentant les clubs politiques, organise la défense de la France envahie pendant la Révolution française, c'est très très long, et met en place la terreur avant d'en dénoncer les excès? Ah, je l'ai! Ah, moi Merde! aussi. On reste dans les fesses! Non, mais je crois que je l'ai appris. Oh non! Bon, mais j'ai bien parié, moi. Louis XVI. Non, Non, c'est t'as pas fait ça. une blague dessus. Quoi? Blague dessus une fois. Comment? T'as fait une blague une fois dessus. Oui. Ah Non, non! c'était Danton. Parce que dans ton cul, voilà. Ah, c'était Danton. Ah, c'est d'accord. Je pensais que c'était Robespierre, mais non, c'était Danton. Non, c'était Danton. Donc, qui a un bon pari? Bah, c'est GIGN qui a un bon pari, donc c'est celui qui gagne un point. Hein, voilà. D'accord. On était en foire, hein, d'ailleurs. Attends, moi je suis vert. Oui. Et j'ai un bon pari Oh, aussi. J'ai dit que Lulu allait perdre. non, t'as dit qu'il allait gagner puisque tu l'as mis dans plus. Oui. Ah Je l'ai mis merde! dans plus. Ha. Bon. Ah, je suis Mais pas d'ailleurs, bon à ceux qui ont tout, des moi. mauvais paris, c'est moins un point. Ah, ah, j'avais oublié. Ah ouais! Ah merde, je me suis trompé, Salut lui c'est pas aussi. GIGN, c'est Lulu, voilà. Non? Ok, donc c'est à GIGN d'aller appuyer sur le bouton. Alors ce Je ne suis pas premier. Planète Terre en x1, ok, très bien. Et inquiet. le premier, ce sera Lulu Dream. Ah Alors Planète Terre, faut que je retrouve la question. Alors attends, avant de partir, j'ai pas posé la question. n'a pas posé la question le monsieur. Ok, quel pays? Lulu Dream, je te Maintenant. laisse te poser. Ok. Ok, Lulu Oh, et vous mettez sur les deux petits blocs rouges. Non, non, sur les deux petits blocs rouges. c'est Ouais, mais c'est pour. Il y a plus d'équité. Bon, attention, allez-y. Ah, alors là, je laisse Lulu Dream choisir la personne qui va dans le 3. T'es pas encore allé dans le 3, toi. Vas-y. Ah. Oh, je suis dans le. D'accord, très bien. Allez-y, vous pouvez faire vos paris. Ah mince. Ouais, d'accord. Alors, d'accord, Lulu Dream, je t'ai épargné, tu m'épargnes pas. Très bien, d'accord. La prochaine fois, tu vas te faire enculer. Bien profond. Alors, Ah! Lulu, bah, tu peux trouver. Hein. Ouais, Quel du pays coup. est l'un des foyers de population les plus anciens? Ok, j'ai mis entre deux. Le plus ancien, c'est ça? Le plus ancien ou les plus anciens? Un des plus anciens. Je sais pas si, je crois pas que ce soit le plus ancien, mais c'est un des Ah, plus. ouais, d'accord, c'est pas.
Bah non, mais comment veux-tu que je trouve? Je sais même pas si. Attends, allez, l'Europe. L'Europe, ok. Je parle d'un pays, Ouais, évidemment, et l'Europe. toi tu me dis un continent, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, mais non, là, pardon, j'ai pas compris. Un pays? Un pays? Oui. Ancien? Bah, ok, l'un des foyers de Oui, population. la Mésopotamie. D'accord, ok, bon. JGN, quel pays a déclaré son indépendance en 1947? Et bien sûr, elle est l'un des Oui, ben foyers. c'est bon, arrête. Arrête de me stresser. Un des foyers de population. La Chine. Et en plus, j'ai voulu le dire, c'est con, c'est ça. Ah bah c'est pas grave. Attention, Ludheim, très facile, hein. Quel pays est l'un des foyers de population des plus anciens, a déclaré son indépendance en 1947 et abrite Ah, le c'est pas Taj ça. Mahal? Ah, j'aurais Ah, dit mais c'est pas l'Inde. ça. C'est pas ça. L'Inde. Pense Ah que mince, j'aurais je peux taper de là? Oh, bah dis donc. Eh Mais bien, la maison. c'est une bonne réponse, c'est bien l'Inde. Alors attendez, je prends les paris. Pourquoi? Alors, tout le monde a un point pour les paris. Oh. C'est une Ah, bonne mais la nouvelle. Mésopotamie, c'est J'avais fou. pas parié sur. J'avais parié que GG perdait, moi. Oui, c'est Ça. bon, bah t'as gagné donc. Ah, j'ai Non, pas mais réalisé que je. j'allais gagner. Oh, je suis Eh content, j'ai oui. gagné un point. Voilà. T'as vu, c'est choquant quand je gagne. Voilà. Donc pour le Ouais. moment, Lulu et Gégène sont au coude à coude. Hein. Lulu a 3 points et Gégène a 3 points également. Ludrim Ah, a la un point, Mésopotamie, tout je crois que peut c'était là. encore être rattrapé. Donc là, La je Mésopotamie, n'avais pas. c'est plus un pays maintenant. Ça aurait peut-être Ouais, c'est marché, vrai. mais maintenant c'est plus un pays. Et encore, même les premières Ah civilisations, on pourrait dire que c'est en Éthiopie. Donc tu vois, rien à voir avec la Mésopotamie, mais bon, c'est pas grave. ouais. Lulu, je te laisse Je appuyer sur le bouton, parce que c'était à toi. Planète Terre. Oh, attention, c'est un x 2. Donc tous les points comptent double. Et c'est Lulu. Oh, c'est moi. Alors on était sur Planète Terre, c'est Partenaire. ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, bah à la fin, je suis goût. Alors attention, c'est la question, c'est quel animal? Allez-y. Enfin, Ok, plutôt alors là, Lulu. je prends même pas de risque, même pas en rêve. Mort. Ok. Allez-y, GGN et Mort, monsieur. Lulu. Dream. En animal, je suis une bite. Ah, Le monsieur. Dream dans le 3. Voilà. Voilà. C'est Allez-y, sûr. vous pouvez faire vos paris. Ah Oh, non, la GGN. raté. Je sais pas, il était devant moi. Je peux parler sur lui. Bah, il était plus près aussi. Bon, c'est pas. Personne va répondre bon à cette question. Très bien. Quel Personne. animal, Lulu Dream, joue et se bagarre innocemment? Je sais pas. Allez, on va mettre le kangourou au pif. GIGN. Quel animal joue et se bagarre innocemment, pèse entre 300 et 500 grammes à la naissance? Putain, mais c'est qui là? C'est pire que Oh putain, Dinard. je l'avais. Oh, c'est pas ça. On va dire un lion. Lulu, Lucien plutôt. Quel animal a joué et se bagarre innocemment, pèse entre 300 et 500 grammes à la naissance, a été réintégré dans les Alpes et les Pyrénées? D'accord, c'est pas ça. Oh, donc c'est pas comme vous. Ça va me revenir. C'est un animal. Je crois que c'est peut-être un. Mais Allez, Lulu. je l'ai en plus! Bah, allez, le loup. Alors, je vais mettre Loulou. les points des paris. Je vous rappelle que c'est x2. Hein. Je vais mettre les points des paris. Comme ça, vous allez voir. Je vais me taper un moins 2, je sens. Ah voilà, oh Et non, c'est c'était le lui qui loup, avait. évidemment. Bonne réponse de Lulu. Lulu qui Oh, gagne 2 points. c'est bon! Oui, vu que c'est x2. Oui, vu que c'est x2. Ah, et c'est GGN qui a récupéré le tapis. Ok, alors Lulu prend un peu d'avance. Lucien Je plutôt. vais Tandis que Lulu Dream perd un peu d'avance. Bon, Victor, écoutez. un autre là, un animal bizarre avec des cornes et tout, et puis ça ressemble un peu au. Bon, bref, au cerf et C'était puis. le bouc. Allez, Lulu Dream, c'est à toi d'aller appuyer sur les boutons. Oui, parce qu'on fait C'est participer con, hein, notre. Ah, Fois 1, société, fois 1. société. Société, je te laisse appuyer sur le deuxième, vas-y. Et c'est Lulu. Non, mais C'est non! jamais chaud, Pauvre c'est moi GIGN qui aussi. se fait jamais tirer au sort. J'ai inspecté, c'est un Ah, tir bien au sort. Donc c'est pas de bon, alors, chance. vas-y, pose ta Alors question. faut que je cherche. Voilà, c'est ça. Quel film Lulu? Lucien plutôt. Ah, merde. Alors, attends, c'est en société aussi, hein. Oui, nous sommes dans le thème société. Le thème société, c'est celui qui rajoute les sociétés de consommation et tout. Donc Pas de risque. GIGN peut venir sur le bloc, voilà.
Attention. Allez-y. Ah. Ah, voilà. Lui, là, il est lui. Allez-y, faites vos paris, donc. Ah, ah non. Alors, Lulu Dream parie sur une victoire de Lulu. 0-2 gamer, de Lucien. Ça devrait être facile. Quel film GIGN s'est inspiré d'un événement de 1912? Le Titanic. Lulu Dream. Quel film s'est inspiré d'un événement de 1912 et a pour héros Jack et Rose? Bon, je suis Titanic, allez, on s'en fout. Lucien. Quel film s'est inspiré d'un événement de 1912, a pour héros Jack et Rose, et parle d'un naufrage? Bah, le Titanic, du coup. Bah, c'est une très bonne réponse à vous trois, donc... Voilà, je repasse à zéro. C'est une défaite de l'autre débile, là. Voilà. Et GIGN reprend de l'avance sur Lulu. GIGN a très très bien joué en attendant. Voilà. Ouais. Allez, GIGN, vas-y, appuie sur les boutons. Société en fois. On espère que ce soit un jaune. Eh ben non, c'est le jaune. c'est combien de fois Alors, Lulu, quel objet? Je vais te mettre dans ton cul, ton objet. Lulu se met au milieu, attention, c'est parti. Ah. Ah, je propose que ce soit Monsieur GIGN qui aille, puisque comme tout à l'heure, Lulu est parti derrière. Voilà, GIGN. Mais là, je l'ai jeté devant, moi. Oui, mais tout à l'heure, c'est parce que t'es arrivé en retard. Là, vous êtes arrivé en même temps, donc. Ok, bah faites vos paris. Enfin, ça t'a pas empêché d'avoir une bonne réponse, hein, donc. Voilà le petit rima. Alors, GIGN. Ok. Attends, ah non, c'est Lulu. C'est tout. Ok, mais ça veut rien dire, ça. GIGN, je te pose la question. Quel objet a pour structure métallique une baleine? C'est le terme technique, évidemment. C'est pas une vraie baleine. N'essayez pas de voir. La baleine. Je peux répéter la question. Quel objet a pour structure métallique une baleine? L'objet a pour structure métallique... un os. Un os. Lucien, quel objet a pour structure métallique une baleine se dit pébroc en argot? C'est quoi? Pébroc. Ah, en plus, c'était une question sur mon jeu télévisé. Mais je me sais plus. Pébroc en argot. Ouais. Ça existe vraiment ce mot, t'es sûr? Un parapluie, et c'est quoi le truc? Métallique, c'est ça que t'as dit, métallique? J'ai dit... Quel objet a pour structure métallique une baleine se dit pébroc en argot? Métallique. Genre... Je vois qu'un objet en métallique qui existe. Hein. C'est quoi? Le parapluie. Parce qu'il y a des petites tiges du mètre du parapluie là. Le parapluie. Lulu Dream. Quel objet a pour structure métallique une baleine donc se dit pébroc en argot? Et quel objet. De quel objet se sert Mary Poppins pour voler? Ben, un parapluie. Et c'est une bonne réponse. Tout le monde a des points de pari. Et ouais. Je rajoute 2 points et en plus, pour j'ai Lulu deux points, en plus. Et 1 point. Eh oh voilà. Et ben, c'est pas mal, tout ça avance. Lulu est à la moitié de son jeu. Et Lulu, tu peux appuyer sur les boutons. C'est premier à 20 points. Alors, planète Terre, x1, on n'a pas eu beaucoup de d'héritage cette fois-ci. Et c'est Lulu. Ah, alors, ouais. Ah enfin Enfin, il n'y a pas de jaune pour le moment. Alors... Goût, pour vous, les racistes, ils n'aiment pas les Chinois. Lulu Dream. Quelle partie du corps humain? Ok, alors, hop, hein. Lulu, pas chercher. Ok, alors Lulu, je t'invite à te mettre sur ton bouton. Voilà. Attention. Go! Ah là, c'est moi, je suis sûr. Non. Lulu Dream. Bah non, tout à l'heure j'ai envoyé Lulu, donc GIGN, désolé. Oh, le monde. Bon, tu peux peut-être trouver en même temps GIGN, mais avant, faites vos paris. Bon, bah du coup, je passe une victoire de Lulu. Ok, donc vous faites pas chier, c'est même les mêmes paris que tout à l'heure, quoi. Alors GIGN, c'est parti.
Quelle partie du corps humain synthétise une grande partie des protéines du sang? Mais je suis nul en SVT. Ah. Ça se voit. Quelle partie du corps humain? Bah, dis une partie du corps au pif si tu sais pas. Répète la question. Quelle partie du corps humain synthétise une grande partie des protéines du sang? Les jambes. Ok. Lucien. Quelle partie du corps humain synthétise une grande partie des protéines du sang et détruit les toxines? C'est mort. C'est quoi les toxines? Bah, les toxines. Bah, c'est facile de deviner ce que c'est en même temps. Toxines, toxiques. Ah, bah, je crois savoir c'est quoi. Je serais tenté de dire un truc que pour moi, ce serait les poumons. Enfin, Lulu Dream, hop, qui me regarde, une vache me regarde. Quelle partie du corps humain synthétise une grande partie des protéines du sang, détruit les toxines, est intégrée dans le système digestif? Ah, c'est pas les... L'estomac? Eh bien, il n'y a aucune bonne réponse. C'était le foie. Oh merde! Oh, au fond, j'ai gagné mon pari. Voilà. Bon, c'est pas grave, on enchaîne. Hop, je détruis la tête. On enchaîne. Moi, j'ai fait l'US, monsieur. Là. Alors maintenant, c'est à qui d'appuyer sur le bouton? Ça doit être à moi. Luludri. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, on avait déjà appuyé avant. Société fois 1. Fois 1. En fait, je crois que c'était à GIGN, mais c'est pas grave. Société fois 1. Ouais, corps bleu, mais non. Oh, c'est pas possible. J'irai regarder après. Alors, quel jeu vidéo, Lulu? Attends, allez, mais casse-toi à deux. Quel jeu vidéo? Eh bien, nous allons tenter le 2. Voilà, je fais ce dispute. Attention, les garçons. 3, 2, 1, go! Je crois que c'est le Ludwig qui arrive en premier. Ouais, je suis arrivé en premier, je crois, mais bon, écoute. Non, bah, il a envie d'aller là-bas aussi, c'est son choix. Tu peux tenter le 3, hein. Ok, allez-y, faites vos paris. Sincèrement, vous pouvez tenter le 3 si vous y connaissez. Je pense que Lulu peut gagner. Et moi, à part Minecraft, j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Bah, moi aussi. Alors, attention, Lulu Dream, quel jeu vidéo s'appelle Biohazard au Japon? Oh putain! Biohazard. Ce soir, et vendredi. Mais bio. Bah, je sais pas, mais. Putain! Non, mais j'ai pas. Au pif, Terraria. Je sais pas. Je crois que je l'ai parce que je l'avais lu il y a pas longtemps. Lucien! J'allais dire Lulu Dream, non, c'est une devant. Lucien! Eh ben non. Quel jeu vidéo s'appelle Biohazard au Japon contient des zombies? Ah ouais, ok! Je crois que je l'ai. C'est Resistant Evil 7, un truc comme ça. Resistant Evil, quoi. GGN. Quel jeu vidéo s'appelle Biohazard de Japon contient des zombies et joué par Mila Jovovich dans les films? Oh, mais c'était ça! Oui, je sais, parce que le jeu s'appelle comme ça, donc oui, c'est... Comme Lulu Gamer l'a dit, c'est Resident Evil. Mais je l'ai fait en let's play, c'est ça le pire! Mais non! Et c'est une bonne réponse, alors je vais accepter Lulu parce que c'est pas tout à fait Resistant Evil, mais Resident... Mais c'est pas grave, ça marche. Et Lulu Dream à la boule, voilà. Donc, très bon pari de tous. Bah, je sais à peu près à un mot, parce que moi j'ai jamais joué à ce jeu. Putain, mais en plus, je me suis laissé. Du coup, j'ai eu bon aussi. Et du coup, j'ai un point en plus. Oui, c'est bon. C'est j'ai... Oh, oui, mais mon pari, oui, j'ai réussi. Ah non, t'étais à 9. T'étais à 7 puisque t'as perdu un point, pardon, avant le pari. Oui, c'est vrai. Ok, alors, c'est à GGN d'aller appuyer. Ouais, là t'appuies. Il va mettre bleu. Planète Terre. Est-ce qu'il y aura, des fois, du sport? C'est dans quoi? C'est dans Société, je pense. Oui, c'est dans Société. Et c'est lui. Attends, il va vraiment pas avoir de chance. Hein. Alors, on commence. Quel insecte, Lulu Dream?
Oh bon, alors là. Oh là là. Je sais où ce qui va se mettre. Ah voilà, j'avais raison. Attention. Go. Attends. Ah, il part vraiment le go. Non. Moi, j'ai dit go. La GIGN, c'est bon, hein, j'ai dit go. Mais moi, du coup, vu qu'elle a dit go, moi, je suis parti en avance, donc. Bon, bah, je suis désolé. De toute façon, tu serais parti en avance, ça aurait été la même chose. Donc... Et il va peut-être gagner, hein. Ah, bah oui, évidemment. Alors, on est toujours en fois, hein. Alors, Lulu Dream, bah, faites vos paris, oui. La GIGN, réfléchis bien, parce que là. Je regarde ta tête. Oui, mais ça va pas t'aider. Moi, déjà, juste la question du début. La petite partie. Quel insecte ? Quel insecte ? Non, vas-y. Bon, ok. GIGN, quel insecte a une espèce qui. Enfin, a une de ses espèces la plus petite du monde ? C'est quoi sa question ? En gros, il y a une des espèces de cet insecte qui est l'insecte le plus petit du monde. Je disais insecte ou. Oui. Ah, je pif. Moi, je veux dire, je suis pas les fourmis, allez. Ok. Lulu. Lucien, quel insecte a une vitesse qui est la plus petite du monde, à une vitesse de maximum de 40 km/h? Un insecte qui court à 40 km/h, c'est bien beaucoup. Ah, il court pas forcément. Ah, d'accord, il peut marcher. Là. Ah non ! Putain, non, je me suis fait niquer. Il peut aussi... Mais il y a aussi les... Je sais pas. La mouche. Ah, très bien. Lulu Dream. Quel insecte a une espèce qui est la plus petite du monde, à une vitesse de 40 km/h maximum et porte un dard venimeux? Ben... J'aurais dit... Putain, je savais. Le moustique tigre. Comme ça. Je peux juste dire, même si c'est trop tard. Eh bien, c'était aucun... Non, c'est trop tard. Tu as utilisé les trois indices de GIGN, donc... Bah, vas-y, dis-le. Oui, mais je peux juste dire, au moins. Je crois que c'était le lézard. Pas du tout. D'ailleurs, c'est un reptile, le lézard, donc voilà. Non, c'était la guêpe. Voilà. Donc, personne n'a de bonne réponse, et en plus, Lulu perd un point à cause de son pari. Merde. Tiens, Lulu. Alors que les autres en gagnant. Oh. Bon. Alors, Lucien... Vas-y, va appuyer sur le bouton. Héritage. Et attention, suspense. On croise les doigts pour que ce soit jaune. Ah ! Oui ! Là, ça s'applaudit. Alors, héritage. GIGN, héritage. Quel lieu ? Donc, quel lieu historique, évidemment. Je vais mettre là. Ok. Attention. Go ! Ah. Une solution pour les ou Lulu, Lucien plutôt, t'avais l'hésitation, mais... Bon bah, GIGN, choisis. Moi, je dis que c'est Ludrim qui reste, parce qu'il est arrivé en premier. C'est pas contre toi. Okay. Mais c'est pour moi, c'est... Lulu, je pense que tu peux trouver. Mais c'est plutôt dur, mais je pense que tu peux trouver. Ok, Lulu, d'accord. Faites vos paris. Enfin, les Lulu, parce que... T'as déjà fait avant le Ludrim, là, il a triché, oh. Non. Ouais. Il a fait au moment où je l'ai dit. Moins. Ouais, bon, ouais. Alors, toi, t'es vraiment. Toi, tu penses vraiment que j'ai la bonne réponse. Ok, Lulu. Lucien, plutôt. Ouais. Quel lieu abrite un événement à l'honneur de Zeus? Ok. Oh, c'est-à-dire la ville. Un lieu à l'événement de Zeus? Ouais. Enfin, un monument ou un lieu? Il y a un événement qui honore Zeus. Il existe ou il n'existe pas? Il existe. Sinon, j'aurais dit quel lieu. Ah merde, parce que je voulais dire l'Olympe, mais non, du coup, ça n'existe pas, parce que je ne pensais pas que ça existe, en fait. Bah, en tout cas, ce qu'on sait, enfin, c'est qu'il existe, puisqu'on peut le visiter. Allez, je l'accepte. Ok. Lulu Dream. Oui. Quel lieu abrite un événement à l'honneur de Zeus et réunit toute la Grèce pendant la trêve sacrée? Je suis venu à l'Olympe. Mais non, c'est la Crète, j'ai dit. J'ai pas dit l'Olympe. L'Olympe, ça n'existe pas. Ah, ben la Crète, alors. GIGN. Moi aussi, je veux dire pareil que. Alors, attends. Quel lieu abrite un événement à l'honneur de Zeus, réunit toute la Grèce pendant la trêve sacrée, est encore aujourd'hui le début d'une flamme tous les 2 ans?
Ah, plusieurs la traite comme. Mais t'es con. C'était Olympie. Alors, faut faire mais putain un... Et en fait, c'est là où il y avait les Jeux Olympiques antiques à l'époque. Donc, hop et hop. C'est GGN qui reprend l'avance. Attention. Avec les paris. Rien n'est encore joué, évidemment. C'est d'ailleurs à Lulu Dream d'aller appuyer sur les boutons. On espère un petit x2 ou un petit x3. Non, voilà. Ça restera en forme. Il y a les points. Oh. Alors on y va. Planète Terre, quel élément électrique? Ok, facile. Allez. 1. Ok, attention. Go. Oh là, Lulu a pris un peu de temps. Ah, les deux en même temps. Non, je suis arrivé avant, arrête. Non, mais arrête, Hugo. Ah, mais moi, je peux rien dire. Quand c'est comme ça, je laisse la parole à Lulu. Mais dis juste moi qui... Je suis désolé. Lulu, désolé, mais... Voilà, bon. C'est pas gentil. C'est la ligne du serveur. Tu ne reviendras plus. Alors, quel élément... Faites vos paris. Allez-y. Non, je change mon pari. Ah, vas-y, là, tu peux encore. C'est bon. Lulu Dream, là. Ok. Alors, quel élément électrique Lulu respecte idéalement la loi d'Ohm? La loi d'Ohm? Je comprends ça. Ah. Et, au moins que je cherche qui, le gars. Ah, Ohm. Ah, mais je l'ai fait en seconde. C'est pour ça. Voilà. Maintenant, faut que je me souvienne. C'est quoi la question? Quel élément électrique? Élément électrique. Respecte idéalement la loi d'Ohm. Il y a un élément électrique qui respecte ça. Oui, bien sûr. Un élément électrique. La résistance. Ok. Quel élément électrique, monsieur GIGN, chauffe lors du passage d'un courant électrique? Oui, il a raison. Je veux dire pareil. Pareil, vu que Lulu, il a dit... Okay. Quel élément électrique, Lulu Dream, enfin, figure parmi les 10 pôles électriques? La résistance. Bon, sans plus attendre, c'est bien sûr la résistance, évidemment. Ouais, tout le monde a la bonne réponse. Ah non, merde. C'est moi qui ne prends pas en goût, hein. C'est pas GGN. Hein. Ok, oh, et pour les paris, alors attendez. J'ai eu faux, moi. Les paris, il n'y a que Lulu. Pour les paris, j'ai eu faux. Non, j'ai eu faux aussi. Et hop. Non, Lulu a eu bon, moi j'ai eu faux. Ah, t'étais à 11, donc c'est ça. C'est ma faute. Et oui, ils sont en brume. Oui, quoi. Totalement. Red, surveille toi. Alors, GGN, vas-y, appuie. Merci, Red. Que lui, j'ai compris. People x 1. Je peux se gagner, mais non, pas encore. Alors, c'est pour Lulu Dream. Et donc, c'est quelle star à nouveau? Quelle star du sport? Okay, pardon. Star. C'est important de préciser. Ah! J'hésite. Il va tenter. Ouais, j'ai tenté deux. Allez. Allez-y. Alors, GGN, tu vas au 3. Ouais, de toute façon, c'est bien, je suis connu en sport. Hein, ok, alors, ouais, faites vos paris. Quand même, les gars. Alors, c'est pas possible, il y a. C'est qui le jaune? C'est GGN qui sait. Je peux pas. Ok, on y va pour GGN. GGN, quelle star du sport a commencé sa carrière professionnelle en 1999? Ah, j'ai pas fait de parier ça. Mais... Oui, c'est long, c'est plus long que ce que je pensais. Oui, mais il y a pas mal de... 1999, il y en a plein qui ont commencé. Garde au copie, GGN, tu sais pas, tant pis. Okay. Vous pouvez me dire. Attends. Non, je peux pas dire plus. Non, mais comment il s'appelle? Celui qui faisait de la natation, mais pas Manoudou, l'autre. Bernard, là. Non, mais Bernard, dites-moi juste la réponse. Ah non, on va pas te dire la réponse. Bernard. Ah, comment il s'appelle? Mais il a fini. Là. Bah, c'est bon, c'est son nom je de famille. Sais. C'est son nom de famille, c'est bon. D'accord. Ok, bon. Alain Bernard, c'est ça. Donc, c'est son nom de famille. Ouais. Ah oui, Bernard. Ah oui, pas Lulu Dream, quelle star du sport a commencé sa carrière en professionnel en 1999 et est suédois? Laisse tomber son nom. Et suédois? Ah merde. C'est facile. Jamais. Et suédoise parce que c'est une star, mais ça peut être un star aussi. Enfin. Mais oui! C'est
C'est comme c'est une star, comme c'est au féminin, c'est et suédoise. Mais ça peut être un homme. Une femme. Ou une femme. Ou les deux. Ou Hugo. Conchita Wurst. Putain. Ouais, aussi. Et alors, lui, Dream. Oh, allez, là. Je sais pas, mais bon, bah, les Suédois, bon, même si je pense pas que ce soit lui. GGN. Non, c'est Lulu, c'est Lucien, pardon, je suis parti vers le fond. Quelle star a commencé sa carrière professionnelle en 99 et suédoise et a joué au PSG pendant 4 ans? Bon, bon, ok, allez, c'est bon. Nathalie Braille-Montich. Lulu Dream, j'ai pas bien entendu ta réponse, c'était ça? Oui, oui, c'est ça, Ibrahimovic. Donc, attends. Eh, hey, c'est quoi ça là? Red, oh, surveille le score, Red. Red, surveille le score. Il va ok, marquer. Et après. Et après, vous avez tous eu les points de. Points de Paris. Red, ouais, rajoute-moi des points. Non. Attention, Lulu peut gagner la prochaine question. Enfin, Lucien, pardon. Peut gagner. C'est à combien déjà? C'est avant. Ah, ok. Surtout s'il y a 1 x 2 quelque chose, mais c'est à. C'est à Lulu. GGN. Lucien. À moi? C'est Lucien de tirer. C'est qui là? Lulu Dream, c'est Mister Adam. Ah, bon, c'est pas grave. Et c'est à nouveau Planète Terre x 1. Et c'est Lulu. Allez! Je te rappelle qu'il faut contrer Lucien. Quel événement scientifique? C'est pour ça. Ok, attention. Go les autres. Ah, oula. Bon, ben. Alors, Lulu, tu peux essayer si tu as un bon pari. Et que tu as une bonne réponse de gagner. Faites vos paris. Oui, GGN, j'ai pas compris. Quoi? Ben écoute. Je vais parier sur une victoire de quelqu'un. GGN, t'es en train d'être bon. Je vais essayer pour toi. Attention. On y va. Changer ? Je change. Parce que si je trouve la bonne réponse, je vais me rendre compte que je me. Tu peux changer ? Oui. Il veut mettre moi. commencer voilà. À... Ok, attention Lucien. Quel événement scientifique se propage au travers de tout type? Quel élément, pardon, pas événement. Élément. Ah oui, bah oui, mais tu me perturbes. Élément. Se propage au travers de tout support. Oh putain, je l'ai. Je suis pas. Attends, de support. Ah non, des supports. Ah merde. De des supports de tout type. Eh ben j'ai envie de te dire la chaleur. Pourquoi pas? GIGN. Quel élément scientifique se propage au travers de supports de tout type à une fréquence comprise entre 20 000 et 10 millions de hertz? C'est quoi des hertz? Ah, je peux pas t'aider. Juste pour pas qu'il... J'ai la même réponse que lui. Même si c'est fou. Non, ça tombe bien. L'entreprise hertz. Lulu Dream, donc les deux questions suivantes. Et quel élément scientifique ne s'entend pas par l'oreille de notre corps? Oh putain, je crois que c'est ça, non? La chaleur. Je vois pas d'autre chose. La bonne réponse, c'était les ultrasons. Ah ouais! Eh ben, j'ai mon pari gagné. Alors, en fait, Lulu perd un point, et du coup, les autres gagnent leur pari. C'est très, non, très c'est chaud. Vrai, j'arrive à 10. Ça arrive. Et Lulu Dream arrive à 10. Bravo. Donc, du coup, je vais faire. Je vais faire Lulu Dream, du coup. Appuie sur le bouton. J'ai gêne de tirer le bouton. Non, pourquoi pas un jaune pour une fois. Encore. Vas-y, tu peux y aller. Putain, on a une fois jaune, quoi. Allez. Lulu Dream, quel chanteur? Du Picata. De quoi? Quel chanteur? Ok. Attention. Par contre, je tiens à dire qu'il y a un nudiste dans la salle. Allez-y. Ah, la bande est égale. Ouais, peut-être une fois. Bah, lui, hein, désolé, mais au 3, j'ai pas envie de te voir gagner, moi. GG, il a un point d'écart. Ok, allez-y, c'est parti. Faites vos paris. On se dépêche parce qu'en fait, ça fait 45 minutes qu'on. Ah, c'est sur les chanteurs? Oui. Oui. Ah, c'est bon alors! Alors, non, Lulu, je n'aurais pas dit ça. Lucien, quel chanteur utilise tous les styles musicaux? Je vais le trouver quand même. Alors, c'est un nom de chanteur ou c'est un type de chanteur? C'est un nom de chanteur. Ah, tous les types musicaux. Je le connais, t'inquiète pas, je vais te le sortir. Et tu le connais? Oui. Tous les styles musicaux? Oui. Ou tous les types musicaux? Tous les styles.
Bon, alors, réfléchissons. C'est pas rapide, vite, s'il te plaît, parce que c'est pas comme si l'émission faisait déjà 45 minutes. Oh non mais, alors, je réfléchis. Est-ce que tu veux me chercher tes questions? Je vais te chercher aussi avec ma réponse. La personne qui utilise tous les types musicaux. Et parce que je n'en ai aucune idée, c'est sûr que ça. Je connais, c'est ça? Oui, je pense. D'accord. T'as déjà écouté une de ses musiques, c'est sûr, mais. Ah. Un ouvre. Avec Jacques Brel. Ok. C'est perturbant. Monsieur GIGN, quel chanteur utilise tous les styles musicaux, a déjà assuré la mi-temps du Super Bowl. Je pense pas que Jacques Brel l'ait fait, mais bon. Quoi? Quel chanteur a déjà assuré la mi-temps du Super Bowl? Super Bowl, dites-moi juste si c'est une émission ou pas. On n'a pas le droit de te dire. Non, mais dites-moi juste ce que c'est. De toute façon, je sais pas. C'est un truc de baseball. Non, de foot américain, pardon. C'est le grand match de foot américain qui est suivi par 150 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Oh, je crois qu'en plus. Ah, oh, ouais, c'est le joueur. Michael Jackson. Et enfin, Lulu Dream, quel chanteur utilise tous les styles musicaux a déjà assuré la mi-temps du Super Bowl, a assuré un succès planétaire avec Uptown Funk? Bruno Mars. Eh bien, Lulu Dream a la bonne réponse, c'est Bruno Mars. Alors, Lucien gagne un point, comme Lulu Dream qui le repère, et GGN perd un point. Voilà. Non, j'en gagne, j'ai fait mon bon pari. J'ai gagné, oui, c'est bon. Ouais, j'ai gagné un bon pari. Oh. Oui. Rajoute-moi 2 points. Ok, attention, Lulu peut à nouveau gagner cette question. Allez, voilà. Je demande à GIGN d'appuyer. Mais, C'est Société Foi. Et c'est vert. Ouais. Je pensais que ça allait être moi. Oh. Non, mais c'est pas de chance, quoi. Alors, j'espère que j'enregistre. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il... Et c'est l'émission la plus longue qu'on ait jamais faite. Hein. Alors... Lulu Dream, quel personnage de roman? Ok, alors, désolé, mais... Ok, attention, mettez-vous sur le petit truc rouge. Merde, j'ai oublié, quelqu'un a récupéré mon carpet tout à l'heure. Attention. Ah, voleur de tapis. Attention, go, c'est parti. Ah, c'est Lulu, GGN là-bas. Ah, je pense que c'est... Si vous connaissez, c'est facile. Si on connaît. Alors, oui, si vous connaissez. Alors, oui. Allez-y, faites vos paris. Désolé, GGN. Merde. Et sinon, vous n'arrivez pas à poser des tapis, quoi. C'est le truc le plus facile. J'ai jamais lu un livre de ma vie. Ouais, mais je pense que tu as trouvé quand même. Alors, GGN, quel personnage de roman vient de l'astéroïde B612? Attends, le petit prince. Lulu 02 Gamer. Oui, j'aime bien dire ça. Quel personnage de roman dit... S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Ah oh bah le petit prince de Saint-Exupéry, hein. Lulu Dream. Bah le petit prince aussi. Hein. Personnage de roman a été inventé par Saint-Exupéry. Tu me dis, le petit prince? Bon, c'est évidemment une bonne réponse. Ok. Merde. J'ai rajouté un point. Alors, Lulu 2 et 1. Et enfin, oh là là, et bah, Lulu Dream ne reste comme ça, puisque de toute façon, il a fait un mauvais pari. Écoutez, c'est la première fois que nous sommes à égalité à 19-19 quand même. La prochaine question, je pense que c'est la question qui va tout décider. Et c'est Lucien d'aller appuyer sur le bouton. Non, Lucien. Société x1. Et Lulu Dream qui est à 12 points, qui est un peu mal barré, mais bon, on sait jamais, hein. Société, quelle série télé Lulu Dream? Ah! Est-ce que vous êtes prêts? Les deux combattants, c'est parti! Vas-y, oui, monsieur. Lulu, tu vas au 3. C'est très très chaud. Allez, où? On y va. Lucien. Lucien, oui, faites vos paris. Lucien, faites vos paris. Lulu, surtout, faites ton pari. Lui n'a pas compris. J'ai trouvé cette série. Il faut prendre 2 ans, j'ai trouvé. On voit bien cette série. Lucien. J'attendais que Lulu fasse son pari. Lucien.
Quelle série télé est inspirée des livres de George R. R. Martin? Série inspirée de... des livres de George... Martin. C'est facile. Ah, d'accord, ouais, je suis d'accord. George, j'avais déjà pas l'écrire. Alors, c'est, moi qui le, c'est moi le clavier, c'était pour écrire. Ah oui, vous entendez son clavier au bout de la planète. Oui, bon, on entend mon frère qui est dans... Là, je vais dire, j'en ai rien à foutre, je vais dire une série au pif que m'apporte pas dans Game of Thrones. Lulu Dream. Quelle série télé contient la devise « Winter is coming » ? Putain. Game of Thrones, non ? Jigen. Quelle série télé c'est pareil. S'appelle Le Trône de Fer en français? Bah, c'est Game of Thrones. Il va avoir une égalité. Alors, on va voir déjà les paris. Bah non, j'y vais plus de points. Les paris. C'est bon. Alors, le ah non, fer, il va perdre son point. Il lui a gagné. Donc du coup, vu qu'on a 20... Non, non, t'as perdu. Et toi, tu gagnes un point et... Bah, pas grave, du jeune. Et voilà les scores finales. Lulu regagne la partie avec 23 points. T'as eu un petit peu chaud. Et monsieur, et le deuxième perd encore avec 19 points. Salut Lulu. Ah non, Andy, je suis. Non, là, je veux pas. C'est méchant. Donc, je supprime vite ce message. C'est nul. Voilà Lulu, tu repars encore avec 23 000 euros ce soir. Bravo, ça te fait une cagnotte de non pas de bits. Ça te fait une cagnotte de 68 000 euros. GGN et Lulu Dream, vous repartez avec respectivement 1900 euros et 1500 euros. J'espère que ça vous fait quand même plaisir d'avoir non pas 1500 euros. Bah non. En plus, d'avoir pas participé à l'émission. Eh, c'était vraiment GGN, tu pourras venir prendre ta revanche. Mais en tout cas, Lulu sera encore de retour dans le prochain épisode d'Exit List. D'Exit List, non, de I Know. Et nous, on se retrouve. Et nous, on se retrouve très bientôt, non, dans vous, deux non, semaines. Vous. On se retrouve dans deux semaines pour. Enfin, dans toujours, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode d'I Know. A plus tout le monde.